Tay ci lu balu souci lañuy dessin di gis nañ fi itamit mën nañu won sax alerte la yo xamanteni ni dambo gis nañ ko ci ak maître Kélédor Sène dem fi nga xamanteni mom mo nekkon aéroport bu Léopold Sédar Senghor gis nañ ko fa ak li nga xamanteni ni mom lañ jotté récupérer ci ay souf ay hectare te sax buñu déggé ci ñom d'après luñ wax nénañu bañu amé autorisation de construire danak ñu koy am 3e mois 2023 donc lool nonu mars la mars lay nek mars te actuellement bo fa démé danak ay standing grand standing lañ fa tabax yo xamanteni déjà boko do évaluer milliards yi da fay taxaw ci 1 an moy 2 ans nga tabax ci ñu mel en tant que yow li nga xamanteni moy auditeur nga ci en fonction ban ciangar ngay am ci ñu mel wa d'abord ñom fi ñu damon il faut que ñu xam ñan ñoo tabax fofu ak sur quelle base lañ tabaxé fofu je pense que zone bobu biñ ko déclassifié dañ ko confier won à une entité qui appartient à la CDC ben filiale du CDC caisse de dépôt et consignation man personnellement sama avis moy mission bobu c'est pas une mission ni les attributs de la caisse de dépôt et consignation effectivement ils ont créé une filiale pour s'occuper de ça parce que on a été au courant de disons de la création de cette filiale là pour que nous commercialiser ces terrains-là. Mais conséquence, moi, là, on ne parle plus de la SNHLM, on ne parle plus de la SICAP. Donc, ça, nous beaucoup attribuer, nous beaucoup gagner SICAP, gagner quoi SNHLM, mais c'est la mort programmée pour ces deux établissements-là. Donc, parce que Lolo, vous ne que Lolo, mon inconscient, c'est une mission. En tout cas, pour le Cap Vert, SICAP, modone aménager construire des pour la classe moyenne SNHLM mon moko don def bo demé tay keur ma sar dem dans toutes les régions da ngay gis ay tabakh yo xamantene SNHLM moko def mais depuis combien de temps depuis combien d'années dégotuñu ni la SICAP ni la SNHLM envisager ay programme yo xamantene ils vont le faire au bénéfice de la classe moyenne parce que bu ñëk ba ñun nous qui sommes nés à la SICAP ñun xam nañ bu ñëk ba suñu parents yi bo len laccé won ñaata ngeen don fay par mois sen logement ça dépassait pas 30,000 francs pour les F4 en fonction de F4 F3 F5 ça dépend mais ba néw ju doolé yi ak ba doolé yi ñoo ci don profito mais tay logement yi ñi def sur l'ancienne piste de l'aéroport mais pour nous déjà terrain bi pour nous pour bodul borom daraja mënoko am ensuite buñ ko tabaxé en hauteur bo amul yenn moyen mëno fa louer donc li gënonna efficient li gënonna yenu mana moy ñu permettre SNHLM permettre à la SICAP de disposer de ces espaces là ñu def ay tabax yo xamantene la classe moyenne ou bien la classe défavorisés, dinañ ci mëna am accès à des prix yo xamantene c'est des prix abordables. Mais tay état bi tout récemment wax gis ngeen ñu def affaire le décret sur la diminution des coûts du loyer. Mais amul impact. Du am suivi. Amul impact parce que nit ki nga xamantene mom mo dem tabax kërëm def un prêt bancaire. Mais koku bu fekké ni limu ci investir nga ne ko yow bul fayati F3 bi 100,000 francs nang ko fait 50,000 francs mais quand est-ce qu'il va rentrer dans ses fonds mais lolu vocation ou état la tay bo demé dans les pays européens ou bien dans les pays asiatiques mais da ngay gis ay logements sociaux à perte de vue et accessible à cette population là mais Dakar lañ fi gis so xamantene c'est le coût d'installation le plus élevé en Afrique de l'Ouest mais lamay waral lolu Dakar bo en tant que Dakar mu géré comme ça là. Ouais mais parce que c'est une faillite de la politique de l'État, politique d'habitat de l'État. Parce que tay moy li ma wax rek buñu renforcer won SICAP, renforcer SNHLM, peut-être que le coût du loyer allait diminuer. D'accord. Ba tay ci zone bobu non, est-ce que tamit zone bobu war nañ fa mëna défar ay immeuble yo xamanteni ay grand instant yo xamanteni ay 8e état le nek te mu nekkon aéroport, lolou du ci am jafé non. Ouais mais xama l'aéroport est fermé maintenant. Oui. Uniquement militaire ñoo fa nek. Ouais mais xama dafa am comment on dit ça encore servitude aéroportuaire ñom ci loolu lañuy utiliser pour jël affaire bi jox ko wa CDC à travers leur filiale mais servitude aéroportuaire effectivement buñ ko cédé à des prix onéreux mais forcément ñi ko jënd
mais buñu tabaxé mais mëno len empêcher à ce que ñu loué ko. D'accord. D'accord. Sinon Gérard nga am question? Lan la japp ni mom lañu wara daldi def ngir rek daldi xex lu ñeel walu politique foncier ci Sénégal. Moi je lima gëm pour le moment moi il faut que ñu def les assises de l'habitat. Mhm. Mhm. Ñu convier structure d'état bi yépp, toutes les structures de l'état, convier le secteur privé, les promoteurs privés, xol nak lañu mëna renforcer en tout cas le service public de l'habitat, notamment SICAP, SNHLM, sans pour autant enfreindre l'initiative privée des promoteurs, quoi, parce que les promoteurs yo xamanteni sont en mesure notamment de développer des programmes, mais peut-être que c'est destiné à une classe qui n'est pas comme nous les gorgorlou, quoi. C'est destiné à une autre classe. Donc, mais moi, je prône pour les assises de l'habitat au Sénégal. Ensuite, il y a encore le programme des 10 000 logements, c'est 100 000 logements, c'est un échec. C'est un échec total. Parce que t'es Bodem et Bambilor, là où ils ont initié le programme, là, mais il faut y aller pour voir que c'est un désastre. Il n'y a pas entre ce qu'ils avaient annoncé et ce qu'il y a là-bas. Mais. La monnaie que fof. Mais parce que l'INFA annoncé on taille, bon, il n'y a pas le, disons, le nombre de personnes qui ont eu à bénéficier de ces logements-là. Ensuite, à quel coût ils veulent le donner aux Sénégalais. Même à Bourkat, il était prévu de faire le programme des 100 000 logements. Mais je pense que si vous avez vous faites une habitude d'idem, Thiès. Effectivement. Bon, pour une solution, il y a pour que les collectivités territoriales, les gens tout doublent, c'est un pouvoir et un mythe. Amener une dollar lol qui va le pour foncer. Lors d'investir, qui sont une rôle, n'importe lequel, j'ai mon rôle à te bonjour et du coup, bon, de nous ça, j'ai que rec, même si ben si n'importe quel lotissé, j'ai reconnu. Bah, c'est moi les mains ouvertes, c'est un peu complexe parce que il y a ce qu'on appelle le domaine public de l'État, le domaine privé de l'État, avec leur maintenir collectivité locale en fonction des dispositions. Code des collectivités locales, amener une prérogative pour intervenir dans le domaine des lotissements, autorisation de construire ou ça. Mais les polonais d'Eftimbirum attribution de terrain, je pense qu'il y a une commission, ce qu'on appelle le COD, commission des opérations dominiales. Bon, comme le gouverneur de Tinec, le directeur de l'urbanisme, le directeur des emplois et domaines. Je pense que à chaque fois qu'il y a besoin de faire des lotissements. Et un plan d'urbanisme, je pense que ces acteurs-là doivent intervenir. Bon, maintenant, les collectivités locales aussi, effectivement, ont une raison parce que à travers les délibérations, on voit que YouTube est un doublon. C'est ça qui crée des confusions. Moi, souvent, il y a beaucoup de maires véreux qui ont maintenu. Si nous gagnons aussi, nous paraissons le mandat, les gens les attaquent et ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. C'est ce qui s'est passé avec. Disons la zone de captage, vous voyez aujourd'hui on ne parle plus de l'ancien maire de Grand Yoff parce que voilà, il s'est emprêté dans des difficultés énormes parce que voilà, délibération est en Turquie, quelqu'un d'autre a une délibération, donc voilà, une même personne, quatre délibérations ou bien en même terrain qui fait l'objet de cinq délibérations, le monde n'est pas. D'accord, d'accord. En tant qu'auditeur interne en fonction, il y a